Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condiac Expertise. C'est le cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont deux applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneur et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condiac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta, c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts. Et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Janet, double médaillé d'or à l'épée par équipe aux Jeux d'Athènes et de Pékin, cofondateur du Coolworking et ambassadeur actif de la Water Family. On revient sur son parcours de sportif avec le Graal obtenu à 2 reprises, la création de son espace de coworking et son engagement auprès de la Water Family, association qui sensibilise à la préservation de l'eau. J'ai adoré avoir son retour d'expérience sur les Jeux Olympiques, l'entrepreneuriat et son engouement pour l'écologie et l'éducation des plus jeunes. Bonne écoute à tous. Salut Fabrice. Salut. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bah écoute, merci de m'avoir invité déjà. C'est canon. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter si ça te va. Donc, je m'appelle Fabrice Janet, j'ai 39 ans. Je suis ancien membre de l'équipe de France d'escrime. Et aujourd'hui, je suis déjà papa de 2 enfants et puis je gère un espace de coworking à Bordeaux qui s'appelle Coolworking. Ok. Qui est situé entre les Quinconces et le Grand Théâtre. Ok, super, parfait. Alors moi, l'idée, c'est de voir un petit peu tout ton parcours. Comme je te disais, t'es né à Fort-de-France, c'est ça, oui. À Martinique. J'ai grandi en Martinique, ouais. Je suis resté jusqu'à mes 16-17 ans. Ok, canon. Et là, pour le coup, on va commencer, parce que voilà, les grands moments de ta vie, ça va être les médailles olympiques, quand même, j'imagine, avec les championnats du monde, etc. Comment ça t'est venu, ce goût du sport, est-ce que c'est venu hyper tôt? Et on va pas aller trop vite dans les questions, mais à quel moment tu dis je peux aller jusqu'aux Jeux Olympiques, quoi, enfin, parce qu'il y a quand même un gap. Il s'est écoulé quand même un peu de temps entre les deux. Non, ça a commencé assez simplement. Moi, j'ai une famille qui est assez sportive, tout le monde faisait du sport et particulièrement de l'escrime, un peu partout dans la famille, que ce soit, je crois que mes grands-parents en ont fait, mes 2 grands-pères en ont fait, mes parents en ont fait, mes tantes en ont fait, voire en font toujours, aussi bien en tant que sportive, ils sont investis dans un club en Martinique, etc. Donc en fait, voilà, tout le monde a plus ou moins fait de l'escrime à un moment ou un autre depuis quelques années. Et du coup, j'imagine que c'est en voyant tout le monde, dont mon frère bien sûr, que j'ai voulu en faire. Et j'ai commencé assez tôt, je crois que j'avais pas 5 ans. Ah ouais, rapide. Voilà, c'est ce qu'on peut faire quand on a 5 ans dans un club d'escrime, on s'amuse avec les copains, on fait des petits combats, voilà, et puis ça va pas beaucoup plus loin que ça au début. Et puis voilà, par contre, ouais, il y avait une super ambiance dans ce club, j'avais plein de potes, j'avais de la famille, j'avais plein de trucs, donc du coup, c'était vraiment un plaisir d'y aller, de retrouver tout le monde à chaque entraînement, de faire des petites compètes le week-end, etc. Okay. Voilà. Canon. Et alors, c'est quoi le cheminement? À quel moment on passe de, j'ai envie de dire adhérent lambda entre guillemets clairement quelqu'un qui se met à faire des compétitions, t'as les premières victoires qui arrivent forcément, c'est un tout au fur et à mesure. À partir de quel âge ça commence à prendre forme, en fait, si tu peux le dire, si tu t'en souviens. Moi, ça s'est fait ultra progressivement, en fait. Je commençais vraiment comme tout le monde et puis je fais naturellement, voilà, on...
même dans la, depuis les petites catégories, tiens, on fait une petite compète ce week-end dans le club ou entre les clubs. Tu dis, bah allez, pourquoi pas. Et puis, bah, tu fais ta petite compète, ça se passe plus ou moins bien. De mémoire, de toute façon, ça se passe toujours bien. Tout le monde a toujours une petite coupe, des bonbons. Enfin, tu sais, c'est... Ils a... voilà, quand t'es poussin, enfin, voilà, t'as, je sais pas, j'avais moins de... peut-être 6 ans sur ma première compète, bah voilà, t'es content, t'as ta petite médaille en chocolat, et puis t'es hyper content. Et donc j'ai fait ça, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai fait des compètes donc de club, ensuite des compètes régionales, on commençait à faire des déplacements en Guadeloupe, en Guyane, etc. Et puis le Graal à cette époque-là, c'était de partir au championnat de France, donc à la fête des jeunes, championnat de France minime. Donc quand tu as réussi, quand tu remportais ta qualification aux épreuves régionales, ben tu pouvais voilà aller à la fête des jeunes. Donc moi j'ai assez vite pris le goût de ces trucs là c'est vrai que ça m'a plu, j'ai réussi à me sélectionner plusieurs fois pour y aller sans jamais briller là-bas, mais voilà, c'était le grand déplacement de l'année. Tu prenais l'avion sans papa maman, tu partais avec ton maître d'armes et tes copains, et puis t'allais en métropole à Paris. À l'époque c'était à la Halle Carpentier dans le 13e. Donc voilà, tu faisais ça, c'était ça nous paraissait énorme, quoi. C'était vraiment des gamins, et puis il y avait, je sais pas, des centaines de tireurs, parce qu'il y avait plusieurs catégories. Enfin, non, c'est que des minimes, mais t'avais toutes les armes, fleurets, épées, machin. Okay. Parce qu'à préciser, toi, c'est de l'épée, hein, que t'as fait. Et à l'époque, j'ai dû les faire au fleuret et à l'épée aussi. Parce que j'ai dû me décider entre fleuret et épée aux alentours de, quand j'étais cadet, quoi. Ok. Cadet, c'est à quel âge? Cadet, ça doit être, 14 ans, peut-être. Ok. 13-14 ans, donc quelque chose comme ça, je pense. À peu près, je pense. J'imagine, ça doit être dans ces eaux-là. Et du coup, donc j'ai dû les faire au fleuret à l'épée, je pense. Mais j'ai, pour le coup, vraiment jamais brillé dans cette compète. c'était vraiment juste le grand kiff d'y aller. Mais voilà, et puis... à force de participer, voilà, des circuits. Donc au départ, c'était les championnats de France, le gros objectif de l'année. Ensuite, il y a eu les circuits nationaux, justement, quand je suis passé cadet, au moment où je me suis dit, bon, là, faut se spécialiser. Enfin, tu peux plus tout faire, quoi. Faire quelques circuits nationaux dans l'année. Et là, voilà, ça se passe plus ou moins bien. Ça s'est plutôt bien passé une ou deux fois, avec des résultats assez prometteurs. Donc... Donc derrière, je crois que voilà, c'est le Krebs de Reims, donc le pôle espoir, qui a contacté le maître d'armes, le club, qui a dit que, alors, sachant que bon, j'ai fait un petit raccourci, mais globalement mon frangin Jérôme, lui était déjà inscrit dans la voie du haut niveau à ce moment-là. Il a 4 ans de plus que moi et il est aussi passé par le Krebs de Reims. Ça s'est bien passé pour lui. Ouais. Il a intégré l'INSEP et à la suite, en fait, moi le Krebs m'avait repéré en me disant m'a appelé l'encadrement voilà du club en disant qu'il voudrait bien que j'intègre la structure et ça je devais avoir. Oui, j'étais en première donc je devais avoir 16-17 ans. Et donc voilà, je suis parti à Reims, donc c'est déjà finir ma terminale, faire ma terminale en fait, juste après la première. Est-ce que c'était déjà en mode sport-études ou... Alors ben non, j'étais en Martinique, alors c'était pas du tout adapté, c'est-à-dire qu'au lycée j'avais aucune... Soit des cours en plus de sport, soit des cours autres en moins. J'étais vraiment le programme classique du lycée, et par contre c'est vrai qu'à côté de ça... Ce qui a aussi été déterminant, et c'est vrai qu'on le souligne pas assez souvent, c'est que moi j'avais un maître d'armes ultra investi, Jean-Marie Grubeau, donc qui nous accompagnait bien sûr sur tous les déplacements, qui nous entraînait, mais qui des fois se déplaçait à la maison pour faire des séances d'entraînement, des séances de physique, qui il m'organisait des séances perso en dehors des séances classiques d'entraînement. Au club, et ça, ça clairement aussi, ça a joué. Et on s'en rend pas... Enfin, c'est vrai que, rétrospectivement, je pense que ça a été déterminant, mais c'est vrai que j'oublie assez souvent de le souligner, quoi. Alors, donc, à quel moment, donc tu remportes les France? Alors, non, jamais avoir gagné les championnats de France en individuel. Il remporte les JO, mais il remporte pas les France. J'ai gagné par équipe, et j'ai attendu longtemps, j'ai dû gagner en senior, je pense, pour la première fois par équipe. Ok, d'accord. Mais, non, j'avais remporté un circuit national, de mémoire, c'était un circuit national,
je sais plus si c'était cadet ou junior, à gagner en région parisienne. Et c'est là, justement, c'est après ce truc-là que le Krebs nous avait contacté. Enfin, c'est sûr, je crois que c'est à l'issue de cette saison qui m'avait pris. Mm-hmm. Et par contre, une fois au Krebs, j'ai participé j'ai gagné une sélection au championnat du monde, donc à l'issue du circuit de Coupe du Monde. Parce que, ouais. Donc, à ce moment-là, j'étais junior, deuxième année. Ok. J'ai gagné ma sélection sur les deux dernières Coupes du Monde. J'arrive à me sélectionner au championnat du monde au Venezuela en 98. Ok. Et puis ça se passe plutôt bien. Je fais deuxième en individuel. Ouais. Bon, en équipe un peu moins par contre. Parce que en équipe on finit quatrième quoi, mais. La pire place. Ouais, la pire place. Et puis, je suis quand même pas mal responsable de la débâcle. Donc, je me souviens que j'avais pas eu des matchs très très brillants à des moments clés. Ouais. Et puis voilà. Donc après, j'intègre pas tout de suite l'INSEP. Je fais une deuxième année à Reims. Mm-hmm. Donc ma deuxième année de junior. Ouais. Où là, ça se passe bien, je crois, au cours de la saison, mais en revanche, au championnat du monde, ça a pas été brillant. Ok. Alors, je me souviens même plus exactement, mais globalement, je crois pas qu'il y ait de médaille au bout, donc, a priori, ça a pas super bien marché, que ce soit en indiv ou en équipe. Ouais. Et puis, ma dernière année de junior, j'intègre l'INSEP. Ok. Donc l'Institut National, à l'époque ça s'appelait du sport et de l'éducation physique, et maintenant c'est du sport et de la performance, quelque chose comme ça. Et voilà, et là par contre ça se passe très bien. Ouais. À l'issue de cette saison, je gagne, alors déjà je me sélectionne au championnat du monde, et je gagne en individuel les championnats du monde junior, et par équipe aussi. Okay. Donc là, grosse année, ouais. Ouais, carrément. Cool, ouais. Et donc en junior, pour le coup. En junior, ouais. C'était okay. Les championnats du monde 2000 à South Bend, dans l'Indiana. Okay. Ok, nice, canon. Et c'est à partir de quand que tu passes en senior? C'est intéressant de préciser, je trouve, parce que je disais, moi, je me suis mis à l'escrime en septembre dernier. Voilà, j'ai pas le même niveau, hein, très clairement. Mais c'est un sport où on est bon, hein, pas sur le tard. C'est un peu, enfin voilà, mais c'est pas comme la gymnastique où à 15 ans c'est là où on excelle. Ouais, non, c'est un sport où plutôt faut acquérir quand même pas mal de maturité. C'est ça. Pour avoir des résultats, donc c'est après 20 ans en général. On a très longtemps eu tendance à penser qu'effectivement, les carrières se faisaient souvent sur le tard, ce qui était vrai à l'époque, ouais. mais ça a quand même pas mal basculé, okay. Où les gens sont de plus en plus précoces, enfin les tireurs, les athlètes sont de plus en plus précoces et commencent à perfer dès la catégorie junior en senior. Moi, j'ai un de mes exemples et un de mes mentors, j'ai envie de dire là-dessus, c'est Brice Guyard, bon, qui est un gars qu'à mon âge, hein, mais je pense même que je suis plus vieux que lui. Okay. Sauf que lui, en junior, en 2000, il se sélectionne pour les Jeux Olympiques à Sydney. Ah ouais. Et ah oui, il gagne par équipe. Ah oui. Donc, ouais, il gagne le CIP qui est une Coupe du Monde de fleuret à Paris. Okay. Alors qu'il est encore junior, il se sélectionne là-dessus. Ouais. Et ouais, il va Sydney et là tu te dis ah ouais, ok, ouais. Donc le mec à mon âge, il part au jeu. Bon, en plus il gagne les jeux par équipe. Ok, bon, bah, très bien. Donc tout est possible. Allons-y. Et comme c'est un très bon pote et qu'on a, on était voisins de chambre à l'INSEP, etc. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, c'était hyper motivant, hyper stimulant. Et tu te dis qu'effectivement, à ce moment-là, tout est possible. Quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais donc c'est à ce moment-là que tu dis que c'est possible. C'est quand tu vois tes potes y arriver. Moi, c'est à ce moment-là que je me dis, je savais déjà que j'avais un certain niveau et que ça commence à perfer. Mais par mm-hmm. contre, dans mon esprit, j'étais comme tout le monde en me disant, c'est bon, j'ai le temps, c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure. En fait, je me dis, non, pourquoi attendre? Enfin, ça n'a aucun intérêt parce qu'il le fait, donc pourquoi pas moi, quoi. Et du coup, moi, dès l'année suivante, en senior première année, je commence à avoir des résultats, je fais des podiums en Coupe du Monde senior et je me sélectionne pour les championnats du monde à Nîmes. Ouais. En 2001, du coup. Okay. Et voilà, je fais troisième en individuel. On fait troisième par équipe aussi. Ok. Ouais, avec mon frangin. Cool. Aussi, Ça, c'est génial. Parce ouais, que il y a une belle histoire avec ton frangin aussi. Ouais, c'était chouette. Bah surtout, enfin, vous avez gagné pas mal de choses ensemble. Quand même. Ouais, les deux titres olympiques. Déjà. En fait, le plus gros, quel graal, hein, j'imagine. Ouais. C'est vrai que le titre olympique, c'est clair que c'est le graal pour un escrimeur. Puis, enfin, pour beaucoup d'athlètes, mais en escrime, particulièrement. Ok. C'est canon. Je trouve ça ouf de se dire à un moment donné d'avoir le déclic en se disant on peut aller jusqu'aux Jeux Olympiques et gagner quoi. Ben moi je pense que Brice pour ça a vraiment ouvert la voie à toute une génération, c'est-à-dire que
Même si, alors c'est vrai que, enfin, il y a toujours eu des gens forts dans toutes les catégories. En France, en escrime, on a toujours été bons. Bah, c'est français comme sport, non? C'est français, mais bon, après, alors, autant avant c'était français et très européen, autant très vite c'est devenu mondial, quoi. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus une nation qui puisse pas prétendre à une médaille en Coupe du Monde ou en Championnat du Monde. Enfin, bon, c'est quelque chose. Maintenant, ça c'est devenu très international. Mais voilà, en France, on avait toujours une tradition de mec fort dans toutes les catégories, mais effectivement, plutôt sur une maturité tardive. Et une fois que Brice a fait cette performance-là, moi en tout cas, je me suis dit, pourquoi pourquoi attendre? Ouais, c'est clair, why not, quoi. Et du coup, je pense que ça a mis un bon coup de pied dans la fourmilière en France, et que du coup, il y a plein de gens qui se sont, à qui ça a servi de déclic, quoi. Ok. Canon. Et à ce moment-là, tes journées, c'est quoi? C'est de l'entraînement? T'as 5 entraînements par semaine? 6, 7, je sais pas. Ouais, non. Alors, en plus, là où, d'une part, ça m'a servi, c'est que on avait un rythme d'entraînement qui était quand même raisonnable, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Parce que moi, j'aurais pas pu faire un sport où il faut s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours, plus le week-end. Non, ça, c'est juste pas possible parce que je pense que, nous, nos entraîneurs ont toujours privilégier la qualité à la quantité, c'est-à-dire qu'on s'entraînait en gros une à 2 fois par jour, mais généralement 1 fois par jour. Ouais. C'était assez court, c'était des séances entre 1 et 3 heures max. 3 heures, c'est vraiment la pire séance avec un tour de poule, une séance d'assaut, voilà. Sinon, c'était alors, une leçon, c'est vraiment, 1 heure, c'est vraiment une séance avec une seule leçon. Ouais. Et puis voilà, entre 1 et 3 heures pour une leçon, séance d'assaut, etc. Okay. Et ça, par contre, c'était très qualitatif. C'est-à-dire que on n'en faisait pas beaucoup. Par contre, le moment où on travaillait était très qualitatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré parce que je pense que j'aurais clairement pas pu performer dans un sport. Typiquement, c'est la natation qui me vient en tête à chaque fois où les mecs sont dans l'eau à 7 heures du mat, ils en sortent à 18 et puis, ils sont rincés, et puis ils recommencent le lendemain, et puis comment ils font ça le week-end, et moi, c'est juste pas possible. C'est même pas envisageable. Carrément. Bah, c'est une vie vraiment consacrée à ça, quoi. À l'époque, l'entraînement, c'était ça, c'était 5 jours par semaine, mais c'était, donc des créneaux plutôt raisonnables, ce qui permettait en plus de faire autre chose à côté. Mm-hmm. Moi, parallèlement, alors j'ai un peu louvoyé pendant un moment, au début, j'ai fait des STAPS. Donc c'est des études pour devenir prof de PS. Ouais. Sauf qu'en lycée, je me suis rendu compte que ça m'intéresse absolument pas. C'était un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Donc, du coup, je me suis réorienté. J'ai fait un DUT informatique. Ok. Super chouette à Montreuil, avec une équipe top. Pareil, j'ai un peu, entre guillemets, essuyé les plâtres. Ils avaient jamais eu l'occasion d'accueillir de sportifs de niveau. Ils avaient pas de programme avec des aménagements horaires, etc. Ce qui fait qu'on a étalé sur 3 ans le DUT qui se fait en 2 normalement. Donc ça, c'était cool. Et c'est vraiment eux qui ont créé cet aménagement pour moi. Donc ça s'est très bien passé. Derrière, j'ai fait une licence pro, pareil, dans le même établissement. Et après, j'ai commencé à bosser. Ok, ça marche. Donc déjà, en parallèle, en fait, tu préparais la suite. Ouais, clairement. Ouais. On en était conscient dès le départ, mais l'escrime, même si elle est sur une courte période, on peut gagner un peu d'argent. Pour le top, top 8 des athlètes français, ils vont gagner un peu d'argent. Et quand je dis un peu d'argent, on va dire que les meilleurs peuvent espérer gagner, pendant leur période d'activité, s'ils performent toute l'année, peut-être 3000 euros par mois quand tu lises ça sur l'année. Ok. Ah ouais. Voilà. Non, et donc puis. Faut assurer à côté, quoi. Mais c'est déjà pour la suite. Faut pas imaginer se mettre à l'abri, de par son activité. En tout cas, pas de mon époque. Okay. Maintenant, je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer parce que j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup plus d'escrime. Ni qu'on vende beaucoup de maillots d'escrimeurs. Acheter plein de maillots. J'ai pas l'impression que ça ait changé. Donc, Et très vite, nos entraîneurs ont toujours insisté sur le fait qu'il fallait avoir un double projet, un projet sportif et un projet professionnel. Okay. Et que du coup, ça se prépare et que. Et en ça aussi, je trouve que ça a été une bonne chose, c'est que justement le rythme d'entraînement qui était quand même raisonnable nous permettait de préparer, de faire des formations à côté. Okay. Ouais, on a pas mal d'exemples d'escrimeurs qui ont fait une bonne carrière sportive et qui ont des très bons postes maintenant et qui ont monté des trucs et qui parce qu'ils ont pu justement faire des études à côté, quoi. Ouais, carrément.
Ok, canon. Et ben, est-ce que tu peux nous parler un peu des Jeux Olympiques de 2004 pour commencer? Les Ouais. premiers que tu fais, hein, sans Ouais, être bêtise. premier à Athènes, Ouais. 2004. Bah écoute, ça c'est... Alors, individuellement parlant, enfin, au niveau de, ouais, au niveau des résultats individuels, c'était enfin une grosse désillusion pour moi parce Ok. que bah, je finis cinquième, Ouais. sachant que j'étais vraiment prêt physiquement, etc. Peut-être moins mentalement, parce qu'en gros, j'ai perdu... Enfin, j'ai pris le seul adversaire que je voulais pas prendre de toute la compète, c'était Éric Bouas, qui était un Ok. partenaire d'équipe, Ouais. et qui que j'avais énormément de mal à tirer à l'époque, et Ouais. qui, du coup, bah, ça a pas loupé, hein, j'ai perdu mon match en quart de finale, alors que, voilà, je me sentais vraiment beaucoup plus... Enfin, un potentiel beaucoup plus important que ça. Donc très grosse désillusion en indiv, mais par contre en équipe on fait un super taf. Alors, non sans mal, parce qu'il y a eu des moments critiques, mais on gagne par équipe. Ouais, Ok. quand je parle de moments critiques, ça me fait, je repense à, d'ailleurs j'ai jamais revu les images, j'aurais bien aimé les revoir, mais c'est la demi-finale contre l'Allemagne, Ouais. où moi je prends le dernier relais avec 4 touches d'avance, donc je dois mener 40-36, quelque chose comme ça. Et puis, je sais pas, à un moment du match, je me retrouve mené 44-43, sachant que c'est en 45 touches. Donc, Putain. là, je vois mes coéquipiers se décomposer. Jérôme était dans l'équipe aussi, et donc, enfin, tout le monde m'encourageait, mais lui, il m'a dit qu'il a pas douté. Bon, enfin, c'est beau parce que même moi, j'étais pas spécialement serein. C'était bien le seul. Mais ouais, non, je sais que Hugues était déjà en larmes au bout de la piste, alors que bon, c'était pas fini, mais en même temps, c'était Ouais. tellement mal engagé. Ah, c'est clair. Et du coup, bah, enfin, j'arrivais à mettre ces deux touches en demi-finale, donc on passe en finale, là déjà, gros gros soulagement. C'est clair. Et en finale, grosse grosse ambiance, on est contre la Hongrie. Ok. Et dans une arène olympique, là, et on avait des encouragements français, mais alors, putain, les Hongrois, on les entendait, Ah mais ouais. c'était hyper impressionnant, ça. Vraiment, pour le coup, il y avait une espèce de vacarme dans le stade et tout. Bon, heureusement, on a réussi à contrôler le match de bout en bout. Alors, ça veut pas dire que ça a été facile, mais en tout cas, le scénario a toujours été en notre faveur Ok, vous êtes de A resté à Z. dedans et tout. Voilà, on a pris la tête d'entrée, Ouais. de mémoire, hein. Mais en tout cas, Ouais. on a très vite pris l'avantage et on l'a conservé jusqu'au bout. Ok. Il a réussi, fallu résister à cette pression, mais c'était sacré, sacré final, Ouais, ouais. carrément. Parce que pour expliquer rapidement la différence entre donc t'as individuel et par équipe, individuel c'est en 15 touches, Ouais. par équipe en 45 et t'as C'est un ça. relais. C'est ça. Voilà, En pour équipe, bien voilà, comprendre. y a trois coéquipiers qui tirent et un remplaçant. Et en fait, chacun, donc on se succède. En gros, les trois coéquipiers de l'équipe A vont rencontrer les trois coéquipiers de l'équipe B selon un ordre qui est déjà prédéfini. Donc il y a aussi d'ailleurs un aspect stratégique à ce niveau-là, c'est-à-dire que on imagine que la formation d'en face va faire finir tel tireur, et va mettre tel tireur en avant-dernier, machin. Et du coup, nous, on se dit, alors, voilà, comme ce tireur-là aime bien tirer celui-ci, est-ce que... Alors, bien sûr, tout ça évolue en fonction Bah, de la clairement. tournure que prend le match. Ce qui se disait Enfin, la même chose en face, hein, à chaque voilà, c'est fois, ça. chacun fait ses hypothèses. Et du coup, c'est assez rigolo. En plus, sachant qu'il y a un critère qui est très particulier au jeu, c'est que le remplaçant, si le remplaçant n'est pas rentré au cours de la compétition, il n'a pas la médaille sur le podium. C'est-à-dire que si l'équipe est médaillée et que le remplaçant n'est pas rentré, il n'a pas la médaille. Sachant que une Ça fois vaut que le pas. remplaçant est rentré, il ne peut plus être remplacé à nouveau. D'accord. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme Ouais. ça. Ben ça, on en parlera parce que c'est sur les Jeux 2008, hein, pour le Ah, coup, ouais, tu fais voilà, référence c'est à ça. Jean-Michel Busnet qui était remplaçant et qui n'a pas pu être médaillé, Exactement, ce et qui qui est hallucinant. ça a été vraiment vraiment un sale moment parce que on Ouais. était vraiment dégoûté quoi. Ouais, Parce tu que m'étonnes. stratégiquement, bah, on a tenu une ligne et ça a marché, mais du coup, on prive, enfin prive non, le règlement prive Ouais, c'est clair. Jean-Michel de sa médaille qui est autant méritée que la nôtre parce C'est qu'il s'est clair. sélectionné, qu'il était remplaçant et qu'il fait partie de l'équipe au même titre que les trois autres tireurs quoi. Sachant qu'il était, il a remplacé avant, peut-être ou pas, Non pendant non non le, non, en quart, il il est est pas pas rentré rentré à la avant, c'est pour compétition. ça, ouais. Ok, d'accord. Ok. À Athènes, ça s'est pas passé comme ça. Jérôme était remplaçant à Ouais. Athènes et il a remplacé Eric, je crois au deuxième match ou à la fin du premier. Enfin voilà, il est Ok. rentré Ouais, donc il est au rentré à un moment voilà. donné, Et ouais. du coup, Ok. mécaniquement, voilà, il était médaillable entre guillemets. C'est ouf. Mais ouais, enfin, ce règlement n'a absolument aucun C'est sens. clair. Surtout que ça aboutit à des aberrations. On en parlera certainement, mais en 2008.
il y a des équipes qui arrivaient sur le podium, qui sachant que justement leur remplaçant n'était pas arrivé, les mecs simulaient des blessures pour faire rentrer le remplaçant, etc. Ouais. Enfin, c'est... Bah, c'est de ça dont vous avez alors peut-être été accusé, entre guillemets, mais en 2008, on avait dit que c'était ton frère, non? Mon frangin s'est blessé à la main. Ouais, c'est ça. Et c'était vrai. Et l'article, l'arbitre refuse de le remplacement parce que d'autres équipes ont fait la même chose avant, enfin, ont simulé des blessures avant. Okay. Et comme il voulait plus, enfin voilà, il savait plus trop où se mettre, il a dit non, vous continuez de tirer, alors que le médecin atteste qu'il est blessé, quoi. Enfin, c'est ouf. Mais ce règlement n'a aucun sens. Hein. Ouais, d'ailleurs, il me semble que ça a évolué. Ouais. Sachant qu'en plus, alors, des fois, on se demandait quel était le, enfin pourquoi, quelle était la raison profonde de ce truc-là. Au début, les gens disaient, oh, c'est pour des raisons financières, ils veulent pas qu'il y ait plus de médailles. Mais oui, mais en fait, si le remplaçant rentre, il y a déjà une médaille qui existe. Hein. Ils vont pas la fondre. Ils vont pas la fondre. Si machin, donc la médaille, elle est prête. Voilà, donc ça n'a pas de sens. Ok. Et pour revenir, sur ton 44-43, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'à l'épée, il peut y avoir une touche simultanée. C'est ça. C'est énorme quand même. Si les deux tireurs se touchent dans le même quart de seconde, il y a une touche, il y a un point pour chaque tireur. C'est ça. Et donc toi, ça veut dire que tu as gagné combien? 45-44. Ben 45-44 du coup, sachant que j'avais pas droit à l'erreur. Ah oui, clairement pas. T'avais pas droit de te faire toucher. J'avais pas droit de me faire toucher. Ouais. C'est ouf. j'ai jamais revu les images. C'est marrant parce que je les ai encore en tête. C'est-à-dire que je les ai de mon point de vue d'athlète pendant l'action. Ouais. Mais je les ai jamais revus de l'extérieur. Et le problème, c'est que à l'époque, il y avait pas YouTube, il y avait pas. Un peu moins de caméras partout. Ouais, là, pour le coup, j'aurais bien aimé les revoir, celle-ci. Okay. Et ça fait quel effet de gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Ah, c'était assez dingue. Hein. Il y a tout qui joue. Il y a l'événement, puisque bon, voilà, une fois tous les 4 ans, comme on a dit, c'est le Graal pour un escrimeur. Il y a l'environnement, l'arène et tout ça, c'est incroyable. Le public français, l'équipe de France qui est derrière, et puis toutes les retombées que ça a, parce que, bon, bien sûr, comme je disais, on gagne pas ou peu d'argent en escrime, mais en gagnant les Jeux, t'as une prime olympique, une prime olympique ministérielle. Ouais. Et du coup, c'est 50 000, c'était à l'époque, c'était 40 000 euros. 40 000, ok. 40 000 euros pour l'or olympique. Ouais. Donc voilà. Et donc ça, ça change pas une vie, mais très clairement, ça aide sur pas mal de points. Enfin, là, on vous donne 40 000 euros, vous les prenez, quoi. Oui. Très clairement. Surtout quand vous avez pas spécialement de rentrée d'argent à côté de ça, quoi. Donc, non, et puis après, le statut change. C'est vrai que champion olympique, ça ouvre tout un tas d'autres portes, médiatiquement parlant, même professionnellement parlant, c'est quelque chose qui frappe les esprits et qui ouvre des portes, clairement. Donc, totalement. On le voit aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui ont été champions olympiques et qui font partie, je pense souvent à Tony Estanguet, pour le coup, qui maintenant représente Paris 2024. Ouais. C'est juste Tony, impressionnant, quoi. Et il y a plein de sportifs qui ont fait des parcours brillants comme le sien. L'or olympique, ça peut changer une vie, pour le coup, vraiment. Okay. C'est pas forcément, bien sûr, en termes de revenus, de retombées financières, mais à tout point de vue, ça peut changer une vie. Mm-hmm. Bon, ça aura pas changé la mienne. Mais quand même. mais bien sûr, alors oui, il y a un peu de, entre guillemets, renommée, etc. Mais ça disparaît assez vite. On va dire que les effets vraiment visibles, c'est-à-dire les gens qui te reconnaissent dans la rue, etc. Ça dure un mois, deux mois. Ouais, même peut-être un peu plus, mais ça s'estompe assez vite. Ouais. Mais par contre, moi, je suis toujours surpris qu'à l'heure actuelle, des fois, tu croises un mec, il te regarde, il dit, putain, sa tête me dit quelque chose. Moi, je dis jamais trop rien, tu vois. Tu sors pas avec tes mecs. Non, mais puis il y a des mecs qui arrivent à remettre, genre 10 ans après, qui disent, mais oui, c'est lui. C'est un truc de fou. Un mec qui est derrière un masque, quand même. Tu vois sa tête aller 15 secondes au JT le soir même, et c'était il y a 10 ans, quoi. Enfin, tu vois, ça me fait toujours halluciner que les gens arrivent à remettre. En même temps, c'est parce qu'ils ont vécu des émotions de fou aussi, quand on est derrière notre télé. Après, c'est vrai qu'on a on a eu à chaque fois des scénarios entre la demi-finale de l'Allemagne et tout ça qui ont marqué les esprits. C'est où ça? Et ça, vous le ressentez? Vous, quand vous êtes sur la piste, forcément, cette pression et tout, mais qu'il y a tout ce monde autour, et quand tu représentes la France au JO, est-ce que tu te rends compte qu'il y a tout un pays? C'est plus ça, après. Alors, moi, je sais que à Athènes, ça s'est passé, je l'ai vécu. Alors, il y a la pression de l'événement et tout ça, mais
à Pékin, c'était, je sais pas, c'est démultiplié. Je sais pas pourquoi, mais j'avais une espèce de... J'ai rarement été aussi stressé et aussi tendu de ma vie. Je pense que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie sur cette compète. Non, mais c'est vrai, alors aussi, je savais que c'était ma dernière... Olympiade, et puis certainement dernière compète, en fait. C'était il y avait tout qui se met il y avait une espèce de tension de stress et une appréhension que alors il y a plein de facteurs qui ont causé ça mais ouais j'ai vraiment souffert toute la compète à Pékin beaucoup plus qu'à Athènes. Après t'as aussi la pression d'être revenir en tant que favori aussi champion olympique il y a ça aussi mais il y a dans tous les aspects, c'était démultiplié à Pékin. Ok, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, alors j'avoue que l'indive, j'ai quand même assez mal vécu. Parce que je finis deuxième. Tu finis deuxième, oui. Je finis deuxième, alors qu'en plus, j'ai galéré toute la compète. C'était vraiment dur, aussi bien physiquement que j'ai envie de dire escrimistiquement, c'est-à-dire que j'arrivais pas, j'avais pas de sensation. C'était ce que tu voulais faire. C'était très compliqué, je me suis battu comme un chien sur tous les matchs. Et le seul moment où je me suis senti à peu près bien, c'est en arrivant en finale et j'ai pris une branlée et puis je suis rentré chez moi. Branlée, donc, c'était une petite tôle, quoi. 15-9, c'est ça. Ah oui, là, ça commence à être sévère. Hein. Ça commence à se voir, là. Ouais, c'est vrai. Mais Après, rétrospectivement, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à m'en vouloir non plus. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que c'est rageant, quoi, d'arriver jusque là pour échouer au pied de la plus haute marche. Surtout, c'est fou parce que ça se joue en 15 touches, quoi. En plus, le match commence hyper bien, je m'en souviens pareil. Par contre, ces images-là, je sais qu'elles sont dispo, mais j'ai même pas envie de les revoir tellement j'en ai un goût amer, C'est ton pire échec, tu penses? C'est horrible. Enfin, c'est la finale des Jeux. Ce qui est marrant, c'est que être champion olympique, c'est déjà une chose. Champion olympique par équipe, c'est quelque chose. Mais champion olympique individuel, c'est encore un autre univers. C'est un cran entier. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est bon. Voilà, ça se fera jamais, mais bon. T'as quand même eu un beau parcours aussi, quoi. Enfin bon, tomber sur plus fort que ça. C'est le jeu, quoi. Rien à dire. C'est pas volé, quoi. C'est pas un 15-14 et t'as reçu un carton et donc t'as perdu encore. Voilà, je veux dire. Pour moi, c'était net. Non, mais là, il y a rien à redire. Il a fait un match incroyable, une compète incroyable, et puis derrière, il a fait une carrière incroyable. Ok. Parce que, alors, pour le coup, j'ai pas suivi son parcours, j'ai plutôt suivi le tien, mais il fait quoi? Matteo Tagliariole. Lui, il a fait plusieurs médailles mondiales derrière. Il a bien cartonné derrière. Alors là, je pense qu'il a arrêté. Je sais qu'il a eu une période bien difficile là depuis quelques années. Alors, je sais pas s'il continue encore, mais les quelques années après les Jeux, je me demande s'il a pas gagné les mondes une fois et fait une ou deux fois troisième ou quelque chose comme ça. Beau parcours aussi. Oui, c'est. Ok, cool. Et donc ça se passe comment? Donc deuxième médaille d'or en 2008. C'est fou. On voit ça en tant que public. Comme tu disais, après, forcément, dans les médias, on vous voit énormément. Vous êtes reçu à l'Élysée, j'imagine. Alors, comment ça se passe? Après Athènes, on a été reçu à l'Élysée. Ouais. Et après Pékin, ils ne sont pas reçus. Et puis, au bout de quelques mois, ils ont fait une cérémonie à l'INSEP, quand même. OK. Et on a été décoré, donc on a eu la Légion d'honneur. Alors nous, c'était la deuxième. Okay. Donc du coup, on est, chevalier de l'ordre du mérite ou quelque chose comme ça. Officier de l'ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Voilà, pour information. C'est ça. Non, mais c'est un grade, chacun un système de grade. Quand on a deux, t'as le truc. Alors je crois que quand on a deux, tu chopes le grade le plus important du niveau d'en dessous, plus, c'est un truc, je connais rien. C'est sympa. Ok. Et tu le vis comment, ça, toute cette partie au moment de la médaille et l'après? Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, après, on va venir sur ton parcours actuel avec le cool working et tout. Mais je me dis, t'atteins un pic de fou. T'as les médias, t'as les projecteurs devant toi, et d'un coup, ça s'éteint, quoi. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, si, peut-être que ça s'éteint pas. Moi, ça s'est peut-être pas allumé, même. C'est tout ça. C'est qu'en fait, autant après Athènes,
Oui, il y a eu un cycle de médias, de trucs, et puis qui s'est relancé effectivement avec Pékin et tout. Donc ouais. Pendant une Olympiade, ouais, j'ai été quand même pas mal exposé entre guillemets. Mm-hmm. Enfin, c'est de l'escrime, hein, donc oui, ça n'a rien à voir avec. Tout le respect que j'ai pour l'escrime, c'est pas le sport le plus mis en avant. Voilà, mais bon, disons que pour un escrimeur, j'ai été pas mal exposé. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas s'ils ont anticipé ma fin de carrière et tout ça après okay. Pékin. Mais alors, zéro sollicitation, rien que dalle. Okay. Ah non, mais il y a, je m'en plaignais pas particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de sollicitations après Pékin qu'après Athènes, par exemple. Ok. Tu l'expliques. Je me suis dit que c'est peut-être que, comme j'avais annoncé que je mettais un terme à ma carrière, peut-être que ça a avorté l'engouement qu'auraient pu avoir certains, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça a été très très calme après Pékin. Ouais. Et moi, en plus, j'avais déjà, j'avais donc préparé, j'avais fini mes études. Donc j'avais terminé ma licence avant les Jeux. J'avais terminé ma licence. J'avais fait une licence en alternance, une licence pro en alternance. Avant les Jeux d'Athènes. Hein. Avant les Jeux de Pékin. De Pékin. Okay. Voilà. Donc j'ai signé un contrat de travail avant les Jeux. Ok. Pour un début un mois après les Jeux. Donc voilà. Donc je m'étais dit, cool. Je me prends un mois de vacances et puis derrière je commence à bosser. C'est ce que j'ai fait. Okay. Tout simplement. T'es préparé la suite. Et, voilà. Et à quel moment tu t'es dit, parce que tu savais que t'allais aller jusqu'au JO de Pékin, tu t'es tu t'espérais en tout cas, parce que ça tu peux pas prévoir, mais... Ouais, c'est ça. T'espérais ça. Mes deux dernières saisons étaient très compliquées, je me suis blessé au doigt, j'ai dû changer ma prise de poignet, ce qui fait qu'en fait... ça a vachement chamboulé mon jeu, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les sensations, etc. Ok. Beaucoup de mal à faire des résultats, à se remotiver. Enfin, c'était vraiment des saisons un peu compliquées. Ouais. Et je savais qu'en 2008, ce serait ma dernière saison. Je l'avais annoncé dès le début de saison que ça serait la dernière, sachant que je me suis sélectionné sur la dernière épreuve pour les Jeux. Donc vraiment, c'était... Donc, Voilà, moi, je savais que j'arrêterais, que j'aille au jeu ou pas, en fait. Okay. Et je l'avais annoncé pour au moins que ce soit marqué. Et pourquoi ? J'en avais ras-le-bol, en fait, tout simplement. J'y arrivais plus. Donc plus de résultats, plus trop d'envie, assez fatigué. Alors, tout à l'heure, je disais que l'entraînement, on n'était pas sur des trop gros volumes. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, typiquement, pour moi, j'avais l'impression de m'entraîner comme le mec qui vient de rentrer à l'INSEP, si tu veux. Ouais. Et je pense que si j'avais eu un peu plus la main sur mon entraînement à ce moment-là, je pense que j'aurais pu durer plus longtemps et pu garder de la fraîcheur, tu vois, mentalement. Okay. J'aurais peut-être fait un break, j'aurais fait autre chose. Où je me serais entraîné différemment, mais j'aurais gardé un peu de fraîcheur là. J'étais passé dans une routine d'entraînement où j'avais plus envie d'y aller, j'étais fatigué. Il n'y avait pas un déplacement qui se passait bien, que ce soit au niveau logistique ou au niveau compète, résultat, etc. C'était éprouvant. Chaque déplacement, c'était. Alors là, il y a des trucs qui nous ont pas aidés, hein, typiquement. Je me souviens de vols, on partait, alors on faisait des tournées, on partait au Qatar, on allait au Koweït derrière, par exemple. On partait 2 semaines, et puis on avait des avions à 2h du mat, et il n'y avait pas un hôtel qui était booké comme il fallait, on n'arrivait jamais au bon moment, enfin c'était toujours... En fait, ça se passait jamais bien, à aucun niveau, et en plus, bon, bien sûr, je ne performais pas, donc forcément, ça n'aide pas à oublier tout le reste, donc non, vraiment, c'était plus du plaisir. Et puis voilà, j'en avais ras-le-bol, et du coup, je me suis sélectionné vraiment sur la dernière épreuve, il fallait que je la gagne, je l'ai gagné. Ouais. Et voilà, il y a eu la suite qu'on connaît, mais vraiment, ça a été très très compliqué. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas eu de mal à basculer, à passer du tout au rien. J'arrive pas. On a l'idée. Voilà. D'arrêter complètement. Ouais, voilà. J'étais en train de chercher, mais je le trouvais pas. Donc, d'arrêter complètement. Okay. Et du coup, j'ai pas eu de mal. Ouais, ça s'est fait assez. J'étais même content. Moi, tout le monde me demandait dans la boîte où je bossais, mes potes et tout, mais c'est pas compliqué, voilà, justement, d'arrêter comme ça d'un coup et tout. Et je disais, en fait, je suis content maintenant, je finis de bosser, et puis je rentre chez moi, j'ai rien à faire. j'ai pas d'entraînement, j'ai pas de truc, je sais que je vais pas être crevé en rentrant. Okay. C'était vraiment un autre rythme et ça m'a fait du bien, quoi. Okay.
Puis après, voilà, j'ai eu de quoi m'occuper. J'ai eu une fille ouais. peu de temps après, ouais. Enfin, au début de l'année suivante. Et voilà, donc en fait, très vite, je suis passé à voilà, complètement autre chose. Okay. Ouais. Ok, parce que ouais, quand t'as voulu arrêter l'escrime, t'as même, tu voulais même plus, enfin, peut-être pas plus en entendre parler. Ah oui, si, complètement. Si, ah okay, si, ça. Ah, complètement. Okay. Je voulais plus en entendre parler. Ok. Et puis ça m'a duré un petit moment en plus. Hein, Et pendant plus d'un an, j'ai rien fait, mais rien, pas de sport, rien, zéro, okay. que dalle. Ok. Ça m'a fait un bien. C'était assez dingue. Ok. C'était assez dingue, ouais. Et puis alors, c'est marrant, après j'ai été recontacté par Bruno Gard, qui était à l'époque armurier de l'équipe de France, okay. qui entraînait le club de Rodez, mm-hmm. qui m'a demandé voilà si ça me brancherait pas de leur filer un coup de main sur le championnat de France par équipe. Okay. Moi j'ai été très clair, je lui ai dit Bruno, moi je veux bien venir, mais ouais. je ne m'entraîne pas. Ouais. Je viens quand je suis dispo, ouais. et voilà, faut pas attendre, moi okay. Je donnerai le maximum, mais mm-hmm. je peux pas te garantir que ce soit ouais, le clair. Niveau de performance que j'avais avant. Quoi. Et écoute, alors, la première année, on échoue très peu, alors l'idée c'était de monter, non de... Oui, en gros, briguer un podium de première division en championnat okay. de France par équipe. Et alors, je sais, on n'a pas fait podium la première année. On a perdu 45-44, je crois. Okay. Mais on s'est maintenu en première division. Et par contre, les années suivantes, ça a super bien tourné. On a gagné, je pense qu'on a dû gagner deux fois les championnats de France par équipe. Okay. Cool. On a gagné la Coupe d'Europe des clubs aussi. Ouais. Donc, en fait, une fois qu'on gagne un championnat de France par équipe, on est sélectionné pour la Coupe d'Europe des clubs derrière. Okay. Et on l'avait gagné, et ça avait été une cool. sacrée performance. On a ouais. fait une deuxième place aussi à la Coupe d'Europe des clubs, il me semble. Ok, ou, ça marche. Je sais plus. Enfin voilà, ça a bien cartonné. Y a eu des résultats. Et c'était rigolo, parce qu'en plus, voilà, comme ça intervenait quelques années après, voilà, à l'arrêt de ma carrière, et que, ben moi j'étais très clair, pardon, sur mes intentions et machin, et voilà, Bruno il en attendait pas plus, il voulait voilà quelqu'un d'expérience et qui motive un peu le groupe et tout, et du coup ouais, non, ça s'est hyper bien passé, j'ai rencontré des mecs cool, on s'est bien marré, c'était sympa. Ouais, et aujourd'hui tu continues, t'es toujours à Rodez ou alors je sais pas si je suis toujours licencié. Non, parce que là pour le coup ça fait peut-être 2 ou 3 ans que j'ai arrêté. Ouais, j'ai dit à Bruno bah voilà pareil, j'avais fait le tour, on a fini je crois sur une deuxième place au championnat de France ou quelque chose comme ça, bon okay. c'était très bien, ouais. et moi c'est pareil, j'avais fait le tour. Ouais. Et donc plus de compète, j'ai fait un stage, j'intervenais dans un stage à Portland. Okay. C'est un tireur américain qui m'invitait sur ce stage. Alors j'ai été intronisé par Jean-François Di Martino, qui était un ancien membre de l'équipe de France avec qui ouais. je me suis entraîné qui est entraîneur au pôle à Talence là. Mm-hmm. Okay. Qui participe à ce stage. Donc il m'a invité à y participer, ouais. et puis au final je l'ai remplacé parce que lui pouvait plus trop y aller. Et voilà, je l'ai fait pendant 4 ou 5 ans ce stage à Portland, okay. en tant qu'intervenant, mais du coup je mettais aussi la tenue, je donnais des leçons, enfin c'était assez rigolo. C'est un peu histoire de te remettre un peu dedans quand même. Ouais, c'est ça. Et puis du coup voilà, là je l'ai pas fait l'an dernier, okay. mais puis je sais pas si je le referai, mais voilà, c'est en tout cas ouais. a priori la page commence à être pas loin d'être complètement tournée. OK, bon ça marche. Super. Enfin je trouve ça impressionnant ce parcours quand même, enfin voilà. Merci. Bravo. Donc après bah ta vie d'escrime, on va dire, mm-hmm. c'est à partir de 2008, donc juste après vraiment les jeux, mm-hmm. t'es chef de projet, développeur, puis consultant chez Consort NT. Ouais, Consort NT, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Une sympathique boîte qui était sur Paris, une jolie boîte d'ailleurs, ouais. qui marche bien. Donc voilà, c'est chez eux que j'avais signé mon contrat de travail. Okay. Avant le fameux. Voilà, j'ai été accueilli dans une équipe hyper sympa. Ouais. Donc voilà, j'ai bossé là-bas pendant 4 ans en tout, okay. mais en gros j'ai eu une interruption, ça devait être aux alentours de 2011, où j'ai posé un congé création d'entreprise parce que j'ai eu une opportunité de travailler dans l'industrie du jeu en ligne, okay. c'est assez okay. rigolo, mais de par le passé de sportif que j'avais, ouais. et j'ai été approché par... barrièrepoker.fr qui était okay. Qui était la salle de jeu en ligne des casinos barrières, ouais. qu'ils avaient monté avec la Française des Jeux, et on était, alors mon frangin et moi du coup on était manager de leur équipe de joueurs de poker pro en ligne. Ok, sympa. Donc coach, enfin c'était une espèce de package global où on faisait un peu de prépa physique, un peu de coaching mental et un peu de tout relations presse etc. ouais. avec cette équipe. Pareil, c'était
très très rigolo comme comme expérience parce que bah, c'est un milieu que je, alors, que je connaissais mais en plutôt de l'extérieur. J'étais joueur de poker mais amateur, enfin amateur. Mmh. Voilà, je jouais en ligne, etc. Mais ouais. pas beaucoup plus. Et là, j'ai vécu le truc de l'intérieur, les tournois et tout. C'était assez rigolo, ouais. très rigolo. Donc on a fait ça pendant un an en tout. Moi, j'ai fait ça un an mais 6 mois à temps plein. Ok. À l'issue de cette expérience, moi, ben, je suis revenu chez Consort pendant une année. Ça a coïncidé avec mon déménagement sur Bordeaux. Et puis, Donc, tu faisais quoi chez eux pour le coup? Parce que j'ai même pas posé la question. Alors, tu t'occupais de quoi chez eux? Chez Consort? Ton taf, c'était quoi? Alors, au début, je faisais du dev et un peu de conduite de projet. Okay. Et puis, quand je suis arrivé sur Bordeaux, c'était plus une partie un peu plus commerciale, justement. Ouais. Parce qu'ils avaient pas d'agence ici et l'idée, c'était d'en monter une. Après, je dois avouer que c'est pas mon fort, le commercial. mais du coup, voilà, ils m'ont trouvé quelques missions. J'ai encore fait un peu de dev et tout ça. Et puis, oula. et c'est là que j'ai découvert le coworking. Ouais. Pour le coup, mais en tant que client, parce que comme ils n'avaient pas d'agence, et il y en avait un à l'époque sur Bordeaux. et c'est un peu développé depuis. un petit peu. Comme partout. Mais... Et c'est de là que je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire, parce que c'était... Enfin, j'ai adoré le concept, j'ai trouvé l'idée stop. En plus, je suis arrivé vraiment à l'époque où c'était, entre guillemets, les pionniers, quoi. Aussi bien dans la gestion de l'espace que les gens qui y allaient, quoi. Et du coup, et c'est des gens que je vois toujours. Une partie d'entre eux travaillent encore chez moi. Okay, enfin, voilà, c'est hyper sympa, ouais. C'est là que j'ai découvert et que j'ai accroché au concept. Et donc, à quel moment tu te dis, je vais créer le coworking? Eh ben, finalement, assez rapidement, au bout de quelques mois en tant que client là-bas, voilà, je me suis dit, c'est le truc était top. Mais perfectible. Ok. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça valait le coup de se lancer, que en plus on a de la chance ici, enfin en France, on a quand même tout un tas de dispositifs qui permettent d'entreprendre sans prendre trop de risques non plus. Alors bien sûr, j'en ai pris des risques financiers, etc. C'est pas de l'entrepreneuriat. Mais bon, globalement, voilà, avec le j'ai pu monter le truc et faire de la trésor parce que je bénéficiais des allocations chômage, hein, tout simplement. Mm-hmm. Après, donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec Consort. Ils ont été hyper cool, hyper sympa. Ok. Ça c'est très bien. Donc du coup voilà, je suis parti en recherche d'un local, d'un concept, etc. Okay. J'ai monté ça avec deux associés. Ouais. Donc Cédric Pillac, un ancien escrimeur aussi avec qui je m'entraînais à l'INSEP et qui était déjà redescendu sur Bordeaux, et un pote à lui, Jean-Baptiste Dussault, qui lui avait un atelier logiciel sur Bordeaux, donc était très implanté dans le numérique bordelais. Et du coup à trois voilà, on a brainstormé là-dessus, monté le truc et puis procédé par un peu à la méthode à la manière des startups, c'est-à-dire on teste un truc, ça fonctionne, on continue, ça fonctionne pas, on pivote et on a fait ça sur à peu près tous les aspects de l'espace, notre offre, le mobilier, tout. et du coup voilà, aujourd'hui donc on a commencé dans un petit local de 150 mètres carrés, rue Esprit des Lois, et puis on a déménagé. Alors on a ouvert en 2012, en novembre 2012, et en 2015, en janvier 2015, on était dans un nouvel espace rue de Condé, dans lequel on est toujours, au troisième étage. Ouais. Donc là, c'était 300 mètres carrés, et puis l'année suivante, on a pris 175 mètres carrés supplémentaires à l'étage du dessous. Okay. Donc voilà, là pour l'instant, c'est la taille actuelle de l'espace, donc ça fait à peu près 475 mètres carrés. On a 70 postes, enfin 72 postes. Okay. Et puis, ben voilà, ça tourne depuis maintenant, voilà, novembre 2012. Et c'est chouette. Bah, carrément. Et quand tu t'es dit je me lance dans l'entrepreneuriat, ça t'a pas fait peur? Pas plus que ça, parce que comme je disais, au final, on a toujours des petits filets de sécurité. La partie la plus impliquante, c'est bien sûr quand tu signes un bail et que c'est une entreprise qui démarre, le bailleur, il te demande d'être caution personnelle du bail. Mmh. Le banquier d'être caution personnelle des emprunts. Alors bon, c'est un peu stressant à ce niveau-là. Ouais. Mais après, on a assez rapidement eu des signes qui nous montraient qu'il y avait un marché, quoi, et qu'il y a des gens, et que certains, enfin, des gens étaient intéressés, et comme on était qu'aux prémices du truc, très vite, au bout d'un an, on était quasiment, enfin le truc était plein, et puis après là où j'ai eu de la chance, c'est qu'au niveau timing tout s'est super bien enchaîné en fait, c'est-à-dire que la bascule on l'a faite au bon moment pour passer la taille critique, parce que dans l'ancien local on commençait à gagner de l'argent, mais moi je ne payais pas encore, donc en fait voilà, du coup
on gagnait de l'argent, mais si j'avais pas pu déménager, ben on aurait quand même dû mettre la clé sous la porte, parce que de toute façon ça servait à rien, j'aurais pas pu me payer à la fin, donc j'aurais pas pu continuer à animer le truc. Et non, ça s'est hyper bien goupillé à chaque fois, les déménagements, les trucs successifs. Alors il y a quand même eu des gros moments de stress, parce que voilà, bah, typiquement quand on a ouvert quand on s'est agrandi une deuxième fois, donc quand on a pris une partie du deuxième étage, ça a coïncidé avec un départ massif de coworkers, donc on augmentait nos charges, on baissait nos revenus, c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai dû prendre des mesures drastiques pour passer ce cap-là. Et là, mais au final, ça, pour l'instant, toujours tenu. Et là, c'est pérenne, quoi. C'est un truc qui tourne. Et les gens sont contents, et moi je suis toujours dans l'optique d'améliorer et d'augmenter un peu la qualité de service, et voilà, j'essaye de faire ça sans justement changer les tarifs, tu vois. Typiquement, j'étais en train d'y réfléchir il y a pas très longtemps, depuis 2015 on n'a pas augmenté nos tarifs, quoi. Ok. On est en 2020 et on est plutôt dans le bas de la fourchette des tarifs pratiqués sur Bordeaux, quoi. Ok. Parce que moi, c'est une vraie volonté, c'est un truc que je me dis, je cible une clientèle de jeunes entrepreneurs, de gens qui ont justement pas forcément les moyens de se prendre des locaux, ou pas le besoin. Mais voilà, je veux des gens plutôt dans une dynamique entrepreneuriale. Et donc voilà, faut rester accessible à cette population-là. Et du coup, c'est hyper sympa. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus volatile, on va dire. Parce que forcément, il y a des boîtes qui se créent, mais qui vont se casser la figure quelques mois après. Mais en tout cas, voilà, on croise des gens super, on brainstorm avec eux, on fait plein de trucs. Enfin, c'est hyper intéressant. Okay. Ouais. C'est cool. Et c'est quoi la suite? Vous avez des projets, d'autres ouvertures? Moi, je suis plus... je reste à l'écoute, mais pour voir s'il y a une opportunité. Je suis pas en recherche active. Mais je continue de regarder à droite à gauche s'il n'y a pas des opportunités qui se présentent, parce que en tout cas là on a un rythme de croisière intéressant, et puis je trouve qu'on a atteint une stabilité qui est quand même confortable. Et donc ça c'est-à-dire là 100% de ton boulot c'est de t'occuper du coworking, ou c'est ton taf avant quand t'étais en freelancer, ça c'est plus c'est mon boulot à 100% depuis qu'on a déménagé quasiment. Avant, je faisais encore un petit peu de presta. Comme j'étais développeur, j'ai fait un peu de presta. Je faisais des sites internet, des choses comme ça, pour justement, en plus, je faisais des sites internet que je facturais avec la boîte, du coup, tant qu'à faire. Et du coup, c'est des sous qui ont entré dans les caisses de coworking, pas dans mes poches. depuis qu'on a déménagé, je me consacre 100% à l'espace, parce que justement le fait d'avoir grossi fait que j'ai plus le temps de me consacrer à autre chose. J'ai du temps, mais si je faisais et de la presta et cool working, je ferais les deux à moitié, ce serait pas bien fait, donc ça servira à rien. Ok, ça marche, super. Il y a un autre sujet, moi, que je trouve hyper intéressant. C'est que t'es ambassadeur de la Water Family. Ouais. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Ouais, alors la Water Family, donc, anciennement appelé du Flocon à la Vague, c'est une association qui milite pour la préservation de l'eau, en fait, tout simplement. Donc je les ai rencontrés aux alentours de 2011-2012 sur une manifestation. Ils m'avaient invité, alors par des connaissances communes, etc. Et c'est Bernard Crépel, le fondateur de l'asso, qui m'avait invité sur cette manifestation. Et du coup, j'ai adhéré au concept, j'ai adoré les gens qui bossent dedans, et du coup, je me suis dit que voilà, que j'aimerais bien m'y investir. Donc je m'y suis investi en tant qu'ambassadeur. Cette année, je faisais partie de ce qu'ils appellent le conseil de famille, c'est-à-dire un peu le conseil d'administration du truc. Alors malheureusement, j'ai pas autant de disponibilité que je souhaiterais pour m'y investir plus, mais j'essaye de donner dès que j'ai un peu de temps à cet asso. Et en gros, ils militent, comme je disais, pour la préservation de l'eau, et ça par différentes actions. Donc ils ont des actions de sensibilisation dans les écoles tout au long de l'année. Donc il y a plusieurs antennes, c'est né au Pays Basque, mais il y a une antenne donc à Bordeaux, une antenne en Bretagne, une antenne en Corse, une antenne parisienne d'ailleurs, je crois, maintenant aussi. Et une antenne aussi du côté de Toulouse. Et donc toute l'année, ils ont des intervenants, donc des gens, soit des bénévoles de l'asso, soit des salariés de l'asso, qui animent dans les écoles primaires des ateliers pour essayer de sensibiliser les plus petits à l'importance que représente la ressource en eau.
Parce que en gros, les petits, c'est par eux que va se faire le changement. Donc en fait, alors on leur explique des choses et après ils vont tanner les parents, leur dire arrête d'acheter des emballages, arrête d'acheter de l'eau en bouteille, arrête de. Ouais. Et ça c'est. Et c'est, ça marche, en fait, on a des preuves que ça marche, parce que les parents viennent nous voir en nous disant, disons que depuis qu'ils ont vu depuis qu'ils ont fait vos ateliers, ben, on arrête les déchets, on a un composteur, on fait ci, on fait ça, et ça, c'est top. Okay. Et puis, donc, ils font ça, ils ont aussi une branche où ils accompagnent les entreprises et les collectivités dans la création d'événements et puis même au quotidien de gestion des déchets, voilà, gestion des déchets, ouais. Réduction de l'impact en tout cas qu'on peut avoir sur l'environnement. Super. Et puis après voilà, on fait des manifestations pour faire parler de l'asso, pour sensibiliser encore le plus grand public en faisant venir des sportifs, etc. Donc là, pareil, on a plus d'une centaine de sportifs qui ont participé. Alors, des mecs de renom, voilà, t'avais, dans les premières éditions, t'as eu Bixente Lizarazu, ouais. Guy Forget, là, il y a Coralie Balmy, Alain Bernard, enfin, il y a tout, okay. Mathieu Crépel, il y a énormément de sportifs qui jouent le jeu et on fait des events qui sont vraiment, vraiment sympas. Okay. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher, c'est, je me suis dit, ils nous donnent la possibilité de faire une action qui a du sens. Ouais. Avec des gens incroyables et okay. dans des cadres généralement assez exceptionnels. Ouais. Moi, un de mes souvenirs, je pense que c'est un des trucs les plus forts que j'ai vécu, que ce soit dans ma vie de tous les jours et dans ma vie d'athlète, c'est avec eux, c'est quand on a fait on est parti du cirque de Gavarnie, okay. et on est allé jusqu'à Biarritz. Ouais. Qu'en mobilité douce, en suivant le cours de l'eau. Donc, on a fait du canyoning dans le cirque de Gavarnie. Ensuite, on a pris des rafts, des stand-up, des canoës, tout un tas de véhicules comme ça. Et on a suivi le cours de... nautique sans moteur. Voilà, c'est ça. Et on a suivi pendant 10 jours le cours du fleuve. Ah ouais. Jusqu'à passer le port de Bayonne et aller rejoindre Biarritz en raft. Et c'était énorme. Juste génialissime, quoi. C'est une expérience incroyable. Carrément. Tu passes à des endroits où jamais plus tu ne pourras mettre les pieds parce que, à aucun moment tu vas prendre ton raft et descendre. Et c'était incroyable. C'était vraiment dingue. Et tout ça avec des gens pendant les 10 jours, les gens se sont succédés. Moi, je me suis dit, obligé, je me bloque les 10 jours parce que ça je veux pas louper une miette de ce truc-là. Tu dois partager des enfin, c'était dingue, on a fait des bivouacs, on a rencontré des gens incroyables. Alors tout au long de cet itinéraire, on faisait des petites étapes dans les communes, on allait voir les écoles, on allait voir les élus, on allait essayer de prêcher la bonne parole comme ça dans et c'était top. Non, c'est vraiment c'était parce que toi tu fais du surf aussi hein, c'est ça? Ouais, donc, je me suis mis au surf, ouais. T'es souvent dans l'eau. Ouais, aussi, très clairement. Très clairement. Tu es souvent sur ta planche aussi, je sais pas si j'ai jamais vu surfer, mais il y a quand même une bonne partie dans le surf où t'es dans l'eau. Oui. non mais puis ouais, c'est quelque chose qui moi du en fait la au contact de cet asso, j'ai modifié clairement ma façon de consommer, okay. et à tous les niveaux, ouais. et aussi bien dans ma vie pro que dans ma vie perso que dans ma vie pro, ouais. tu vois. Bon, j'essaie de vraiment de sensibiliser les enfants à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, on essaie d'acheter, de consommer responsable, sans emballage, ouais. Le plus local possible. Ouais. On essaie de faire un tas de trucs nous-mêmes. Typiquement, alors c'est con, mais j'achète plus de gâteaux emballés individuellement ou choses comme ça. Je okay. fais des cookies. Enfin, ouais, c'est tout con, hein, mais ça, c'est pas très compliqué. Ouais. Ça prend un tout petit peu plus de temps que d'acheter un paquet de gâteaux et encore. Ouais, mais et sauf encore, que voilà, on ne crée pas de déchets. Ouais. Et un déchet qui est pas créé, c'est un déchet qu'on n'aura pas retraité. Exactement, que tu vas pas te prendre dans la face quand voilà, tu fais du surf. Voilà, et qu'on va pas retrouver dans l'eau, qu'on va pas devoir brûler dans une décharge ou qu'on va, enfin. C'est vraiment moi profondément ça m'a marqué. On parlait de surf. Depuis je me suis toujours dit le jour où j'achète ma première planche de surf je veux acheter une planche de fabrication responsable, ouais. parce que c'est quand même un paradoxe, les surfeurs c'est des mecs qui sont toujours dans l'eau et qui l'eau c'est les premiers au contact de cet élément là, ouais. et une planche de surf c'est quand même ultra polluant, ouais. à la base, ouais. c'est des résines, c'est de la mousse des mousses synthétiques, etc. Donc voilà, et c'est complètement paradoxal. En plus souvent c'est des gens qui voyagent énormément, qui prennent l'avion, etc. Ouais. Enfin tu vois, c'est ça, et ça, du coup ben moi je me suis dit voilà, à chaque étape j'essaie de faire autre chose. Donc maintenant j'achète des planches qui sont fabriquées dans le Pays Basque, ça s'appelle Notox. C'est des planches voilà éco-conçues, résine de lin, etc., ouais. fabriquées localement, etc. Canon. Et ça
Rien qu'à tout, voilà, à chaque étape de ma consommation, j'essaye de diminuer mon impact sur l'environnement. Ouais. Et finalement, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça et que c'est juste une question de déjà de prise de conscience et après de volonté, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu que t'as fait un tuto sur les cosmétiques. Ouais, bah tu fabriques typiquement toi-même tous tes cosmétiques, c'est voilà, ça. Voilà, je fabrique typiquement mon déo, mon déodorant. C'est hyper simple. Ouais. La recette est très simple. C'est de l'huile de coco, de la fécule de pomme de terre, du bicarbonate de soude, et deux huiles essentielles, donc lavande et palmarosa, sachant que les huiles essentielles sont pas du tout obligatoires. Oui, c'est qu'on peut, mais ce qu'on veut. Voilà. Et en fait, lavande, ça a des propriétés antiseptiques qui sont sont intéressantes. Donc, faut quand même mettre... On n'est pas obligé. Moi, j'en fais avec, j'en fais sans, voilà. Et ça, c'est un truc qui marcherait bien. Donc, il y a les quantités, hein, c'est pas grand chose. Ça prend 10 minutes grand maximum, vaisselle comprise, à faire. Et puis, ça se fait dans une cuisine, dans la cuisine de Monsieur Tout le Monde. Et avec ça, tu te fabriques du déo pour 6 mois. Ok. Et je me dis, là-dedans, il y a il y a que des produits naturels, ça a pas d'impact sur l'environnement, c'est sain pour toi, parce que mine de rien, un truc comme le déo, c'est une des pires saletés qui soit, en termes de composants chimiques, quoi. C'est un truc qu'on se met au contact de la peau tous les jours, souvent, en plus, il y a des peaux qui sont irritées parce qu'elles sont tondues, rasées, etc., au niveau des aisselles. Et ça n'a aucun sens. Notre consommation n'a aucun sens, en fait. Non, c'est clair. Et du coup, donc, du moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bon, déjà, faut que je teste quand même. Mmh. Justement, j'ai découvert cette recette pendant ce fameux épisode de traversée du fleuve, là. Ouais. Et j'ai vu que ça marchait. J'ai dit, bon, ok, banco, mais à partir de maintenant, donc depuis 2015, je fais ça. Ouais. Mes enfants n'auront toujours connu que ça comme déo. Mais ils commencent à être en âge d'en mettre et je me dis, ben voilà, maintenant vous avez, enfin, on sait faire du déo, machin, et ça marche très bien, ils en sont ravis. Et ce qui est bien, c'est que, eux, très vite, ça devient schéma naturel pour eux et c'est, et l'inverse, les chocs. Quand on va au supermarché, alors, on va quand même de temps en temps au supermarché. Parce qu'il y a, des choses, mine de rien, qu'on va avoir du mal à trouver ailleurs. Ouais. Ben, alors, déjà, on essaye de prendre des trucs sans emballage, mais les gens, ils voient du déo, du machin, où ils disent, mais ce truc-là, en spray, dans des canettes en métal, tu fais, mais à quel moment, enfin, on n'a pas besoin de tout ça, quoi, c'est catastrophique. Et eux, ils en ont conscience, et ça, c'est cool, parce que il y a même plus, enfin, ça, ils sont sensibilisés, le truc est lancé, il n'y a plus besoin de, d'en faire plus, ils ont intégré le truc. Ouais. C'est chouette. Ouais, je suis totalement à fond là-dedans. Ça me fait penser, en décembre, j'ai marché 200 mètres sur une plage de la Cano, c'était marée descendante, et franchement, j'ai pris ma serviette. Ouais. C'était dans les mois de jours de décembre où il a fait beau, un des rares jours de décembre où j'étais avec un pote, et j'ai fait 200 mètres et ma serviette était pleine de déchets. Quoi. Mais j'ai pas fait de zigzag, hein, je suis allé tout droit sur 200 mètres. Et je me dis, c'est hallucinant tout ce qu'il y a à faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, justement, au sein de l'asso, c'est que c'est très bien de ramasser les déchets parce qu'il faut le faire. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pas les produire. Ah ouais, totalement. et du coup, voilà, ça c'est un des axes. Il y a dans les actions de sensibilisation qu'on fait, il y a cet axe-là et il y a le principe d'eau virtuelle. En fait, quand on dit aux gens qu'on milite pour la préservation de l'eau, le premier truc auquel ils pensent, ils font ouais, ben moi typiquement, quand je me brosse les dents, j'éteins le robinet. Ouais. Ça c'est super. Je peux pas ne pas dire que c'est pas bien. En revanche. Quand on rapporte ce que ça représente en termes de consommation d'eau quotidienne, en fait, je crois que c'est 5% à peine la consommation d'eau, ce qu'on appelle l'eau visible, c'est-à-dire l'eau que tu vas utiliser pour aller à la douche, pour les toilettes, pour la machine à laver. Voilà. Ça, c'est 5% de ta consommation quotidienne. Okay. Alors que tout le monde est persuadé que c'est ça, en fait, la consommation d'eau. C'est non. 95%, en fait. En fait, l'eau, la plus grande partie de l'eau qu'on consomme tous les jours, c'est dans la nourriture, puisque il faut de l'eau pour produire tout ce qu'on mange à un moment ou à un autre, et dans tous les biens de consommation, que ce soit les vêtements, et un kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau. Pour produire un kilo de bœuf, en gros, tu comptes 15 000 litres d'eau. Quand tu prends le cycle du départ, parce qu'il faut déjà planter des céréales, ces céréales, les récolter, etc., les transformer, les donner à manger aux bovins, etc. Donc en gros, c'est 15 000 litres d'eau pour un kilo de bœuf.
On dit pas qu'il faut arrêter de manger du bœuf. Ouais, on dit qu'il faut en manger certainement moins, de meilleure qualité, donc vu qu'il vient de moins. Alors, 15 000 litres, c'est dans les trucs d'élevage intensif. Ok, d'accord. Si tu prends un bœuf AOP élevé à Bazas, ça va être 3 000 litres d'eau pour un kilo de bœuf. Okay. Tu vois, c'est... Donc, non mais... Tu vois, donc, on ne dit pas aux gens d'arrêter de manger d'arrêter de manger du bœuf. Ouais. On dit, bah, tant qu'il t'a fait, c'est des gens qui viennent de pas loin. Quoi. Un gin, 11 000 litres d'eau pour produire un gin. Et alors, ça, c'est juste l'eau utilisée dans le cycle de la production. Mais après, il y a aussi de l'eau usée. C'est-à-dire qu'on pollue. Alors, je ne sais plus à quelle hauteur. C'est peut-être, je sais pas, 200 grammes de pollution sur les, qu'on va générer. C'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Et ça, on se rend pas compte. Mais voilà, toute notre consommation, en gros, a un impact sur l'environnement et particulièrement sur l'eau. Et du coup, voilà, nous, on essaye de mettre l'accent là-dessus, de montrer, enfin, de faire comprendre aux gens que rien n'est anodin et que tous les petits gestes comptent. Ouais. Tu vois, quand les gamins te disent, ouais, moi, je ferme l'eau, je tire la chasse, je fais pipi sous la douche. Mais on lui a dit, mais c'est super. Ça, il ne faut pas s'arrêter de le faire. Ouais. Par contre, il faut aussi penser à faire ci, faire ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que, comme tu disais, c'est les 5% visibles, mais c'est surtout là où il faut modifier, c'est sur les 95% restants, quoi. C'est ça. Et c'est là qu'on peut faire l'effort. Moi, typiquement, je m'étais fixé comme objectif de l'an dernier de ne pas acheter de textiles neufs, acheter de. Ouais, bon, c'est le même objectif. Voilà. Ce que j'ai fait, et ça n'a pas été plus compliqué que, que ça. Et du coup, je recontinue sur cette année, et là, je suis en train de passer au tout seconde main, si dans la mesure du possible, et essayer de redonner une vie à des vêtements, dont on se débarrasserait alors qu'il n'y a pas de raison, et de voilà éviter la consommation futile. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas se faire un achat plaisir ou choses comme ça. On n'est pas devenus des moines ou mais c'est simplement que voilà, garder à l'esprit que notre consommation a un impact, quel qu'il soit, et à un moment a un impact. Donc essayer de le limiter au maximum. Et qu'il faut la changer. Parce que, au bout d'un moment, ce sera pas tenable. On va faire un podcast écolo, allez, c'est parti. C'est ça. c'est exactement ça. Allez, tu remarqueras, ça me tient à cœur. Mais moi aussi, on pourrait parler des heures de ça parce que je trouve ça, c'est un sujet passionnant et au final, t'as l'impression que enfin, les gens, ils se disent c'est une montagne, on va gravir l'Everest pour devenir écolo, entre guillemets, il y a plein de termes, Mais alors que pas du tout. C'est hyper simple, ça peut prendre un petit peu de temps. Par exemple, je parle de la cuisine, moi j'aime bien cuisiner, j'achète local et tout, ça peut prendre un peu de temps, effectivement. Moi j'ai des potes à Paris, ils ont pas le temps, donc ils font des drives, ils font enfin, voilà. Mais bon, du temps on en trouve, c'est des choix qu'on fait là aussi. Exactement, ça c'est clair. Et après et puis c'est tellement kiffant déjà de cuisiner ou de moi c'est un truc, c'est faire le marché par exemple. Moi maintenant, du moment où je me suis dit j'essaie de consommer sans emballage, faire le marché, c'est devenu un plaisir. Parce que j'arrive avec mon petit sac, je mets mes produits directement dedans, je vais chez mon boucher, déjà j'achète moins de viande, et quand j'en achète de meilleure qualité, donc je vais chez le boucher. C'est clair. Au pire, comme emballage, alors déjà, des fois, je ramène mes boîtes, mais sinon, j'ai juste le papier du boucher, tu vois. C'est ça. Je vais chez mon primeur et je prends des fruits et légumes déjà du coin, tu vois, je vais pas acheter de bananes. Typiquement, c'est con, mais, alors j'en mange moins souvent, des bananes, mais j'en suis pas mort. Tu rentres en Martinique, et c'est pas souvent. mais voilà, tu vois, et du coup, c'est devenu un plaisir, et quand j'ai fini mes courses, et que je fais le compte et que je regarde, je suis content quand j'ai fait une course zéro emballage, quoi. Et là, je me dis, putain, ça y est, objectif rempli. Et c'est une petite victoire, et je me dis que finalement, déjà, ça coûte pas plus cher, parce que tu consommes différemment, tu vois, tu vas pas, au lieu d'acheter un filet de pommes avec 10 pommes et t'en perds 3 parce que tu les as pas toutes bouffées, t'achètes 4 pommes. Et puis voilà. Exactement. Qui seront meilleures et qui... C'est clair, qui ont du goût, quoi. C'est ça aussi. Des produits locaux et de saison, ça a du goût. Exactement. Avoir des tomates en décembre, moi j'aime pas ça. C'est un truc maintenant, c'est une réaction épidermique quand je vois des tomates là en hiver, tu vois ça. C'est exactement ça. Mais bon, ça c'est faut éduquer entre guillemets, faut s'habituer aussi à ça. Mais y a et après, voilà, pas stigmatiser, mais voilà, sensibiliser les gens, juste leur montrer. Et après, les gens feront d'eux-mêmes. Ouais, c'est clair. Je trouve ça génial. Et donc, la Water Family, on peut devenir bénévole? Comment ça se passe? On peut devenir. Les gens, on peut les suivre sur Facebook. Voilà, ils sont sur tous les supports, Facebook, Instagram,
certainement Twitter. J'y suis pas beaucoup. Moi, je suis pas très réseaux sociaux, mais mais ils y sont. Après, l'assaut, voilà, sur des événements. Enfin, ils sont bien sûr demandeurs de toutes les bonnes volontés. Ouais, super. On peut s'investir. Là, je sais que typiquement l'antenne bordelaise, là, on a mis un peu de temps à la monter, mais ça y est, elle a démarré. Ok, cool. On a Antonin qui est ici, qui fait un super boulot, ouais. qui va dans les écoles, qui va partout. Et voilà, on a besoin de bras, de bonne volonté. Donc, n'hésitez pas. Waterfamily.org et là, il y a voilà. Il y aura moyen de les contacter et de proposer vos services. Parfait, nickel. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien ? Alors, à quel niveau ? Parce que il y a plein de trucs qui m'animent au quotidien. À tous les niveaux, qu'est-ce que le matin, tu te lèves ? Enfin, voilà, t'as la pêche pourquoi ? Ou t'as peut-être pas la pêche, moi, mais déjà, t'as l'air d'avoir la pêche. Non, mais qu'est-ce qui m'anime ? Des trucs simples. Hein. Bon, déjà, je suis papa de deux enfants. Ouais. Enfin, voilà, c'est déjà... pas mal de ouais, ils ont quel âge? Pas mal de ils ont 8 et 10 enfin ma fille a eu 11 ans en plus je te dis ça okay. Elle a eu 11 ans le week-end dernier. Oh là 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 là. Enfin, dimanche même. Donc si je dis qu'elle a 10 ça va pas bien ça se passer pas ça va pas bien se passer en donc voilà j'ai deux enfants donc ça déjà c'est pas mal de peps ouais. Après j'ai la chance vraiment de faire un boulot que j'adore enfin je trouve que le cool working c'est j'aurais difficilement pu souhaiter mieux comme boulot. Okay. Je rencontre des gens géniaux, j'ai l'impression de faire un truc utile, je fais ça... Enfin, c'est un plaisir, c'est pas du tout... comment dire... mince, le mot m'échappe, mais en gros, c'est pas... Rébarbatif. Voilà, rébarbatif. Bien sûr, il y a du quotidien, il y a des choses qu'on fait, machin, mais tous les jours, t'as des nouvelles problématiques, des nouveaux trucs sympas, des nouveaux trucs organisés, et encore une fois, les gens généralement qui adhèrent à ce concept-là sont plutôt intéressants, donc en fait, voilà, j'ai plaisir à aller bosser le matin. Ok. Cool. Et puis après, ben voilà, quand vient le week-end, c'est passer des moments en famille, aller surfer, et puis on a de la chance d'être dans une belle région pour ça. Très vite, on peut être à l'océan, à la montagne, on bouffe bien. oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On boit bien aussi. Voilà. Et non, vraiment, moi, je suis plutôt un épicurien. J'essaie de profiter d'un maximum de ce que la vie nous offre. Ça peut paraître un peu lambda et un peu facile comme réponse, mais pour le coup, c'est vraiment ça. J'ai la chance de, d'une part dans ma vie privée et d'autre part dans ma vie pro, d'avoir des trucs qui me motivent et qui me, que je kiffe, quoi. Donc, du coup, c'est bien cool, sympa. Hein. Non, c'est top. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé sur ton parcours, sur ta carrière aussi bien tant que médaillé qu'en tant qu'entrepreneur, voilà. Non, mais ça m'a l'air plutôt complet. On a quand même bien fait le tour entre l'escrime, le coworking et l'après. Ok. Donc non, ça m'a l'air plutôt complet. Plutôt complet. J'ai pas l'impression qu'on loupe le parcours. Et si je me pose quand même la question, est-ce que vous avez une communauté ou genre un gros WhatsApp de champions olympiques ou ça se passe comment? Écoute, c'est un truc qui est apparu l'an dernier. Alors, alors pas de champion olympique à proprement parler, mais c'est marrant parce que l'été dernier, des mecs avec qui on s'entraînait ont émis l'idée qu'on se retrouve tous et qu'on se fasse une réunion des anciens. Alors c'est majoritairement des épéistes, mais voilà, des anciens épéistes. Alors c'est marrant parce que donc on a effectivement fait cet énorme rassemblement, du coup on a créé une espèce de groupe WhatsApp et je sais pas, il doit y avoir 40 mecs. Chaque fois que tu tournes la tête, t'as 200 messages qui arrivent, tu vois, c'est... du coup t'es obligé de mettre le truc en mute sinon tu t'en sors jamais. Et donc ce groupe regroupe tous les épéistes, enfin une bonne partie des épéistes qui ont fréquenté l'INSEP, l'équipe de France et tout ça. Et alors c'est marrant parce qu'il y a des mecs dont j'ai entendu parler toute ma carrière, que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer, que j'ai rencontré via ce biais-là, des épéistes, donc des générations d'avant, machin, et puis il y en a pas encore beaucoup de maintenant, mais c'est surtout des retraités, tu vois. Okay, ouais. Et l'année dernière, en juin, on s'est fait un super meeting de vieux, enfin de retraités. Vieux, de retraités jeunes, de jeunes retraités. Et c'était hyper sympa, tu vois, gros resto, gros barbecue au bord d'une piscine, le lendemain, avec femmes, enfants et tout. Ouais. C'était très 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 rigolo. Ouais, et donc ouais, ça ce groupe existe et vraiment c'est marrant. Ok, bon bah canon. super, bah écoute, merci beaucoup
Écoute, merci à toi. C'est un échange passionnant. Encore bravo, parce que j'ai la première fois de ma vie que j'ai un champion olympique en face de moi. Donc encore bravo, parce que voilà, c'est des sportifs qui mettent des pépites dans les yeux aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus grands. Donc voilà, bravo pour tout ça. Merci. Mais c'était vraiment très chouette. C'était un plaisir effectivement d'échanger et puis de ouais, pareil, c'est mon premier podcast, donc. Eh ben génial. J'espère que ça va bien rendre. Ah bah oui, j'en doute pas. On te suit. T'as dit que t'étais pas hyper présent sur les réseaux. Ouais, non. Alors j'ai même plus page Facebook, ça. D'accord. Depuis quelques années, je me suis okay. dit, tiens, ouais. Quitte à éviter à vouloir arrêter de perdre du temps, ça peut okay. être une bonne, oui, bonne idée. Effectivement, ouais. Donc, j'ai plus de page Facebook, j'ai un compte Instagram, mais ouais. pareil, j'ai décidé au début de l'année de plus trop y aller, donc. Okay. Mais après, j'ai vu sur ton compte Insta, c'est principalement voilà, je relais des trucs de l'assaut et je pose des coussets de soleil, tu vois. Ouais. c'est à peu près ça, mon activité. Donc, si vous voulez avoir des pourcentages sur l'eau et des couchers de soleil, allez suivre Fabrice Genet. C'est ça. Sur Instagram. C'est vrai, en plus. Okay. Et je dois avoir aussi un Twitter. Alors, à chaque fois, c'est Fabrice Jeannet, le ouais, compte. Ok, c'est simple. Et non, j'ai pas de. Sinon, de toute façon, je suis vraiment pas très. On te retrouve au Coolworking. Voilà, Coolworking, ouais, ça, ouais. si. Ok, redis l'adresse pour être, c'est rue de Condé. Alors, c'est 9 rue de Condé, ouais. voilà. Okay. Et donc, le site coolworking.fr. Okay. On a un Instagram de Coolworking où, pour okay. le coup. Il y a que de la bouffe globalement. C'est ça porte bien son nom, le cool est vraiment. C'est ça, non mais voilà. Globalement en fait, je suis vraiment pas connecté, je pense à poster des photos quand on organise un dîner, un déjeuner, ouais, un okay. truc, un apéro et du coup ouais. en fait non, il y a pas ça. Le truc reflète bien l'ambiance, mais pas trop la partie boulot du coworking. Mais ça bosse quand même. Ça ah, par contre, ça bosse. Hein. Mais si je vous invite à nous ouais. contacter, venir faire des journées d'essai gratuites. C'est vraiment chouette. On peut faire des jours d'essai. Ah okay. oui, bien sûr. Ok, top. Ah bah, parfait. On se retrouvera alors au coworking la prochaine. Avec plaisir. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que ce nouvel échange vous a plu et qu'il vous a donné envie de créer votre entreprise, de vous engager pour la communauté ou pourquoi pas de devenir médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Si vous pouvez partager, liker, mettre 5 étoiles, en parler à vos collègues, vos potes, vos voisins, ça m'aide énormément pour faire en sorte que ce podcast soit connu par le plus grand nombre. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, rencontrez un maximum de monde. Bonne semaine à tous !